Salut, salut à tous et à toutes, c'est Astaroth, on se retrouve pour le sixième épisode de Borderlands Pre-Sequel. Bon, alors on en était toujours à prendre d'assaut ce coffre-fort, réussir à désactiver les 5 caméras en un coup. Je récapitule parce que là c'est une nouvelle session de jeu pour moi. Il faut que je me remette dans le bain. Et je suis en train de chercher. Et bah c'est déjà pas mal. La 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 la. Non, je vais pas se frotter à ça. Eh ben si. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors je n'ai pas retouché au jeu. Là j'ai dit ce jeu là je vous le ferai en intégralité en vidéo. So, tu t'es arrivé quand même merde. À se le faire. Alors, je voudrais voir avant, est-ce qu'on a une petite explication? Alors, oui. Pas ça que je voulais faire, mais bon. Je veux baisser. Y suivre. Ignorer. Faire défiler. Voilà. Main. En activant le bouclier Nova électrique que je t'ai donné, ça devrait désactiver tous les systèmes. Tu dois juste le vider complètement et boum, une explosion Nova. Ça doit faire mal. Allez, putain. Voilà. Tu peux prendre ce qu'il y a dedans. Et n'oublie pas ma commission. Le mot de passe, c'est pour Steph. Ah, ouais. J'aurais peut-être pas dû ranger mon mot de passe dans le coffre. C'était bête. Reviens quand tu voudras. Bon. Avant toute chose, on va remettre le... le bouclier normal parce que ça, ça va pas le faire. Ouais. Bon.
du pudding de messieurs dames. Du pudding de messieurs dames. Ok, on va pas chercher. Ouais. So. Non, c'est toujours pas ça que je veux. Alors, l'émission. Ok. Donc ça, c'est pas ici. Ok, donc c'est pas ici. Il y a un réacteur lumineux dans un bâtiment près d'ici. Je pourrais en tirer pas mal de pierres lunaires. Si tu me le rapportes, je te filerai une de mes armes laser en rab. Je viens de filer un prod gun. T'en auras besoin pour énerver les cragons. Hey, bonjour! J'en présente la société Torg et je suis super trop vénère que les flingues laser existent! Ils utilisent la lumière et la lumière ça explose même pas! Et puis quoi encore? Je te paierai si tu détruis ce réacteur lumineux quand tu le trouveras! C'est un peu excessif, mais j'apprécie son énergie. Bon, alors une mission de fini. Je ne sais pas du tout si on va. Je suppose. Je pense pas qu'on retrouve des personnages qu'on trouve sur Pandore, malheureusement. C'était trop facile. C'est bien dommage. Parce que rien que Marcus aurait été drôle à revoir. Enfin, en fait, tous. Allez hop. Un véhicule, oui. Prudence, environnement à atmosphère. Munzumi, entrée à tombeau ouvert. Alors, se rendre à l'entrepôt. L'entrepôt. En approchant les cragons. Ils sont apparus quand Dal s'est mis à excaver la planète et j'ai bien failli me faire buter par l'un d'eux il y a 2 mois. J'ai gagné une cicatrice sexy sur le ventre. Je sais bien que tu voulais pas entendre ça. Mais moi, je voulais pas que ma copine m'abandonne sur la lune avec rien à manger et d'horribles frustrations sexuelles. La vie s'est faite compromis. Bon alors, dans cette partie-là, c'est la... Première fois que je... Le bâtiment du réacteur lumineux doit plus être très loin. Entre. Merde. Ah oui. C'est pour ça que je t'ai filé le prod gun. Tire sur les cragons avec ça, ça va les énerver et ils fonceront sur toi. Si tu réussis à les attirer vers les saloperies, ils te forceront un passage. Le prod gun. Vas-y, Stas. Miss Moxiprobe.
fonce vers où? Merde. Pas le bon côté apparemment. Ah! Merde la bagnole. Ils sont où? Ok. Ok ok. Ça peut pas céder, fais les recogner dedans. Y'a là, petit. Super! Ils ont dégagé les saloperies. Maintenant, entre et récupère le réacteur lumineux. Allez, on va changer d'arme parce que ça, ça fait pas de dégâts. Allez. Oh putain, va falloir faire fusible encore. Je pense garder le flingue. Enfin, je pense garder la source lumineuse pour avoir le flingue. Tu peux voir ce que j'y gagne. Un fusil à pompe est de la merde, oui. C'est une trahison passible de la peine capitale. Ah oui, au fait, j'ai eu un niveau de brutasse. 5. Ouh, putain. Cadence de tir. Précision. On va améliorer la santé. Merde. Hop. Alors. On pourrait pas inventer un mot qui rimerait avec monstre? Pour Steph. Comment j'ai pu oublier ça? Alors, les pierres lunaires sont aminées. Ok. Amélioration de perso au marché noir. Ok. Un bulletin. Un putain. Oh, ok. Comment ça se passe pour le truc? Tu sais, le truc là, avec le machin. Bon alors. Ah, Spring. Eh ben, je lui amène là. T'essaies quand même pas de me demander de l'aide à moi pour la mission? Oh. Ça me gonflait ça. Mais il est où le truc lumineux là? Que je t'ai confié. Eh ben.
Ah, ok. On forme une bonne équipe, non? C'est moche! Tout le monde s'amuse avec des armes laser et moi je suis là à faire exploser des trucs! Quelle vie de merde! Oh, c'est pas grave. Les gens aiment bien les explosions. Tu dis ça juste pour me faire plaisir! Les gens, ça veut des lasers, pas des explosions! Il est mignon. Vraiment? Alors, je t'aime bien! Ça te dirait de sortir avec moi? Désolé, j'aime pas les garçons. Coucou, Spanier! Merde. Athéna vous raconte l'histoire du réacteur lumineux, c'est ça? Je tiens juste à signaler que j'étais vraiment déprimé à l'époque. Aujourd'hui, je comprends mieux que son rejet n'avait rien de personnel et que ma remarque était à rien misogyne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Laisse-nous tranquille, Monsieur Torg. C'est une bonne guerre! Yeah! Ok. So, ça fait quoi comme dégâts? 15. On va essayer, on va bien voir ce que ça donne. Bonne qualité, prix très bas et aucune question. Je kiffe. Il me faudrait une nouvelle clé à molette. Ah oui. Donc, entrer dans Concordia. Donc là, comme mis... Putain. Mais le détache. Système brouillé. Ok. Bon, et ben on va entrer à Concordia. Go! C'est plus simple dans un sens que dans l'autre. Hein. Ok. Allez, go. Ouais, bah d'ici Concordia... Ouh, j'aime bien le snipe. D'ici Concordia a l'air quand même de ressembler beaucoup à... Très bien, bienvenue à Concordia. Un vrai trou à rats, et je m'y connais. Trouve le dénommé Huxter. C'est un ancien d'Hyperion. Il dirige la ville. Donc je le disais, ça ressemble beaucoup au refuge dans Borderlands 2. J'ai perdu le nom, hein, je m'excuse. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Eh oui. Les gens jettent de l'argent, pas par les fenêtres, mais à la poubelle. C'est un détail. Ils balancent pas beaucoup, hein, malheureusement. On est qu'au début du jeu. Un robot flic. C'est prêt comme ça. Donne-lui le. Autorisation d'entrée et que ça saute. Allez. Dites donc, vous n'êtes vraiment orienté service. Vous êtes un sacré canard.
Tu viens d'enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Quoi ? Ça te fera une belle amende. Mais j'ai dit canard ! Et hop, une deuxième. J'adore les règlements. Ça me rend tout puissant. Suis-moi ou je te colle une troisième amende. Ok. Un PNJ. Hey, comment ça va? Hey, t'as lagué. Pardon, ça m'a échappé. Oui, voici Concordia, le plus puissant des postes. Donne-lui leur patron. Je préfère te prévenir, ça va être bizarre. Cool! Ouais, c'est bon! T'es complètement ok pour la décontamination! Boum! Je t'avais bien dit que je te ferais entrer! Maintenant, tu te débrouilles! Leur bâton? Ok, j'ai pas tout saisi. Bienvenue, nouvel arrivant. Obéis à mes ordres. Va sur plateforme de décontamination. Bouge pas sous rayon. Énorme. J'adore cet accent. Ça leur va tellement bien. C'est bizarre d'avoir des sauts normaux, pardon. Pas mourir avant avoir payé. Ah, c'est plus le docteur. Toi, bouger. Ah, viens, clinique. Stupide la pushka. Je Nina. Viens me voir pour faire soigner, mais juste pour blessure grave. Nina a horreur des gros bébés. Sauf si c'est vrai gros bébé. Ça, Nina, j'adore. Toi blessé, tiens, prends. Bien, toi sur pied. Si besoin autre soin, utilise distributeur pour acheter santé. T'es pleine forme, houst. Putain, elle est plus mignonne sur la boîte qu'en réalité. Là, elle a l'impression de voir l'image d'un manga, d'une super fille en manga. Pardon. Tu ne sais plus quoi faire de ton argent ? Parfait. Le mec que tu cherches, Huckster, se fait appeler le mérif, un mix entre maire et shérif. On s'en fout, c'est débile. Mais il saura peut-être comment traquer le signal. Ce type profite toujours d'une généreuse pension du temps où il bossait pour Hyperion, dans ma division. Je suis quasiment son chef, c'est comme s'il était déjà de notre côté. Quelque chose me dit que ça va pas être pareil, tiens, quand je vais aller le voir. Je sais pas pourquoi. Ah, ça doit être le coffre. Impossible d'ouvrir, normal. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure ou pas? J'y ressemble. Citoyenne. Pourrais m'offrir un verre ou trois. Ok. Et le 2, il passe pas, non? Ah,
Déjà, je vois Moxie, je pète un câble. Pourquoi? Hein? Jiboum. D'accord, il y a Lilith. Ok, ils sont... Moxie. Oh, attends. Tu vois ce couple qui danse? La fille avec les tatouages et le type avec une tronche de porte de prison? Des anciens chasseurs de l'arche. Ils t'aideront peut-être. Oh! Enfin, la chance est avec moi. Je pense que c'est sans commentaire. Vous aurez tous compris. Salut les gars, Hyperion s'est fait shipper Helios par Dal. Vous pourriez m'aider à couper le signal qui brouille ses systèmes? Hyperion, Dal, il y a vraiment une différence? On est en vacances, tous les deux. Ouais, désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Tentacules? Va parler à Moxie. Et merde! C'est moi que tu cherches, Trésor. Bonjour, Moxie! Jack a besoin de ton aide pour reprendre Helios. Ah, claptrap. C'est de mieux en mieux cette journée. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la gueule. Enfin, c'est pas grave. C'est du passé, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? Les soldats de Dal ont brouillé les défenses d'Helios avec un signal. D'après Jack, tu peux nous aider à le trouver et à le couper. Tu veux trouver un signal? Alors tu vas devoir grimper pour placer des émetteurs sur les tours Echo en ville. C'est une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la source et tu pourras la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système Echo. Fais-moi confiance, tu vas comprendre. Hey, je peux en avoir un autre ? Mais qu'est-ce que tu fais ?